Eh bien, bienvenue à cette deuxième Web TV organisée dans le cadre de la Journée nationale des villes Internet. Je suis Maxime Lemaire et je représente l'association Débalab, Débalab, association qui regroupe et qui valorise eh bien, les professionnels de la concertation. La révolution digitale inonde notre quotidien, alors dans la sphère professionnelle, bien sûr, mais également dans le cadre des loisirs. Alors, vivre ces loisirs autrement, comment? Avec quel support et pour quelle plus-value? Voilà ce que je vous propose d'échanger avec nos trois intervenants de ce jour. Nadia Cellini, bonjour, vous êtes adjointe au maire du Gosier. Lydie, Céline, vous êtes vice-présidente. Céline, voilà, désolé, je l'ai faite. Lydie Céline, vice-présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Et dernier intervenant, Christophe Minaudier, pardon également. Minaudier, cofondateur de LM Sport Tourisme. Alors, on va commencer par vous. On va partir de l'échelon agglomération. Une communauté d'agglomération, quatre communes situées au sud de la Grande Terre en Guadeloupe. Alors, pourquoi l'agglomération s'est engagée dans ce souci de valoriser le numérique en faveur des loisirs? Alors, bonjour à tous. La Riviera du Levant, effectivement, a eu la volonté de valoriser l'offre touristique pour attirer et fidéliser les visiteurs. On sait qu'aujourd'hui, l'Internet et les systèmes mobiles sont devenus des canaux majeurs de l'information et de la réservation touristique. Donc, la Riviera du Levant, avec le numérique, veut redynamiser la filière touristique, promouvoir ses atouts et renforcer l'attractivité du territoire. Donc, pour y arriver, nous avons retenu diverses actions. Tout d'abord, s'assurer de la présence de la destination sur le web, professionnaliser les acteurs du tourisme au numérique par des formations. J'ai un petit trou de mémoire. Je dis que vous avez engagé des actions dont la finalité, c'est de Oui. pouvoir promouvoir les Alors, loisirs. avoir une utilisation optimale des réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, pour nous permettre d'atteindre les publics ciblés. Nous aurons aussi sur le site de la Riviera de Levant et celui de l'Office du tourisme intercommunal une application qui permettra aux touristes de préparer son voyage en amont. Il aura toutes les informations si nécessaire au niveau du tourisme vert et bleu. Il aura la possibilité aussi de visiter en visite virtuelle certains lieux du territoire de la Riviera. Sur votre commune, alors la commune du Gosier, troisième commune de Guadeloupe, alors comment se traduit cette volonté communautaire et également communale? C'est-à-dire que pour la ville du Gosier, nous avons initié effectivement le site Internet en 2006. En 2015, il y a eu une refonte parce qu'en 2016, nous avons créé le site de l'Office de tourisme du Gosier qui, justement, pouvait pour nous permettre de communiquer sur toutes les activités sportives, nautiques surtout, parce que le Gosier est labellisé ville touristique, sur les hébergements, sur la restauration. Donc, dans un premier temps, bon, puis après, la CARL est arrivée. Donc, si l'Office de tourisme du Gosier n'existant plus parce que maintenant, c'est l'ETI. Parce que la CARL, le Gosier, est une commune membre de la CARL. Donc maintenant, c'est la CARL qui prend en charge le suivi. Mais il faut dire que nous avons commencé depuis en 2006 et nous allons poursuivre effectivement avec la CARL. Un audio guide de musée à ciel ouvert d'envergure mondiale. Voilà, c'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé cette Web TV. Christophe Minaudier, pouvez-vous nous préciser eh bien, les objectifs de cet outil? Alors, les objectifs sont multiples. Ils sont nés finalement d'un constat qu'on a eu avec mon associé Olivier Lebleu durant 15 ans d'activité professionnelle à voyager sur la planète et à se rendre compte que lorsqu'on arrivait sur un territoire, une zone, lorsqu'on est professionnel ou touriste, on n'a pas forcément à disposition des outils simples, à portée de main. Et j'ai envie de dire, celui qu'on a tous dans la main et tous ici présents, c'est le téléphone. Et on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'offre touristique soit nouvelle avec un outil qui est innovant et différenciant.
Donc on est parti de ce constat-là pour proposer aujourd'hui des visites guidées par le GPS du téléphone, passant par les points remarquables, les points d'intérêt d'un territoire et les commentant en simultané. Donc de là, aujourd'hui, on est capable, sur l'intégralité de la planète, de promulguer, de mettre en avant et d'augmenter l'attractivité, comme vous le disiez tout à l'heure, de chaque zone au travers d'applications, notamment en marque blanche, qui permettent donc au territoire de se mettre en valeur et donc de pousser le touriste à voir que sur place, plein de choses sont faites. En tout cas, apparemment, vous avez deux nouvelles clientes, à moins que vous travaillez déjà avec ces collectivités. Nadia Cellini, est-ce que vous avez déjà des premiers résultats par rapport à toute cette dynamique qui est engagée, vous le disiez, depuis 2006? Mais depuis 2006, oui, parce qu'en plus, nous avons décidé aujourd'hui d'avoir une plus grande visibilité, puisque de nos jours, ce qui fonctionne, ce qui marche maintenant, c'est le site Internet, quel que soit pour les réservations, pour les visites guidées, comme disait ce monsieur. Donc effectivement, nous sommes dans cette perspective de poursuivre là-dedans. Et nous avons des retours, parce que de manière générale, les retours que nous pouvons avoir, c'est la fréquentation, le retour, l'intérêt et la réponse quand les personnes répondent présentes. Donc c'est ce retour que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas fait de statistiques pour l'instant, mais nous avons, je pense, aujourd'hui de bons retours. Il y a un premier ressenti qui est plutôt favorable et positif. Tout à fait, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons créer un site web pour continuer. J'ai perdu un peu parce qu'on a quand même des projets. Voilà, pour le développement. Voilà. Christophe Inogi, alors quel avantage de votre application par rapport à quelque chose de plus classique? On voit tous un guide qui nous accompagne lors d'une visite d'un musée. Alors nous, on est totalement complémentaire à un guide accompagnant, si on prend ce cas de figure. Le principe, c'est que aujourd'hui, un guide accompagnant va partir avec un groupe, et s'il est seul, eh bien, les touristes qui vont arriver entre-temps n'auront pas la possibilité de visiter ou d'avoir des explications sur le lieu où ils sont. D'un autre côté, comme tout guide, il a des horaires de travail et il a aussi des repos. L'intérêt des applications, c'est qu'elles n'ont pas d'heure de travail et qu'au final, elles sont multilingues et qu'elles peuvent vous suivre de façon perpétuelle. Donc tout l'intérêt, c'est de se dire qu'on vient avec une offre complémentaire et ce n'est pas du tout une offre qui vient en opposition, bien au contraire. Aujourd'hui, il faut conserver tous ces métiers qui sont des érudits et qui en plus ont un lien humain, et ça, il faut le conserver aussi. Mais concrètement, on a la chance d'avoir des outils numériques, un savoir-faire, et l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui, c'est de le faire savoir. Complémentarité, c'est un élément important. Alors, par rapport à toute cette dynamique, Madame la vice-présidente, est-ce que vous avez été confrontée tout de même à certaines résistances, à certaines difficultés, et auquel cas, comment vous avez fait pour y remédier ? Les difficultés que la Riviera du Levant était confrontée, c'est surtout, dans un premier temps, par rapport à la couverture numérique, qui n'est pas adéquate sur tout le territoire. Donc, on a essayé, puisque c'est pas une compétence c'est pas notre compétence, c'est une compétence régionale, comme dans beaucoup d'autres régions. Nous avons donc installé des bornes Wi-Fi gratuites pour que les touristes et les usagers puissent se connecter. Après, c'est l'accessibilité du numérique pour tous. Il y a quand même une petite fracture et le numérique n'est pas si développé dans certains secteurs et certaines régions. Donc, nous avons déjà mis en place des sessions d'initiation au numérique, des petites sessions un peu partout sur le territoire. Voilà. Merci. La question de la fracture numérique, on y reviendra tout à l'heure, notamment dans le cas des territoires ruraux. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre participation à cette deuxième Web TV de l'après-midi. Et donc à très bientôt sur les stands. Au revoir.